Salut à tous et aujourd'hui dans Skip the News, nous allons parler d'argent, nous allons parler de politique, nous allons parler de sondage et... Mais attends, mais c'est de la merde, mais c'est quoi cette émission? Non mais attends, mais je vais changer tout de suite là. Ok, ok, d'accord, on va aussi parler de slip, on va parler de viol, de pénis et de génocide. J'espère que vous avez tous été votés pour les municipales. En tout cas, je me suis dit que ce serait une bonne idée d'aller voir sur internet quelques sondages pour me faire une idée d'où va la confiance des gens en cette période difficile de la politique française. Et vous savez quoi? Le boss est de retour. Et oui, après plus de 2 ans d'absence en politique, the man is back. Je pense avant tout à ma femme. Et oui, Dominique Strauss-Kahn arrive en tête des sondages de confiance selon un sondeur très fiable et les défenseurs des droits des femmes doivent s'en tirer les poils du nez. Je pense aussi à mes enfants et à leur nourrice. Quand je pense que ce mec a été l'homme le plus lynché de France pendant plus d'un an et qu'aujourd'hui il est toujours aussi haut dans la hiérarchie mondiale... Je l'ai toujours dit, il faut toujours soigner le mal... par le mal. Mesdames et messieurs, je vous demande de l'accueillir. Il est aussi pourri qu'un droitiste, aussi obsédé qu'un gauchiste et aussi têtu qu'un centriste, Dominique and Company. Je comprends pas, pourquoi une compagnie? D'après un autre sondage, la France serait le pays le moins fidèle d'Europe. Alors bon, perdu pour perdu... Mais bizarrement, ce sondage n'a pas été diffusé par choix de la direction du journal. Et oui, le méchant Dominique Strauss-Kahn arrive en tête des sondages et le gentil éditorialiste ne publie pas. C'est la liberté de la presse. Nous dire ce que nous voulons entendre et pas ce que nous devrions savoir. C'est moi qui leur ai dit de ne pas tout vous dire. Vous auriez déchanté. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner vos avis sur le retour de DSK dans les commentaires de la vidéo, moi ça m'intéresse. 2017 est encore très loin. Et qui sait ce qui peut arriver jusqu'à là? Absolument personne. Alors la prochaine news me pose quelques petits problèmes moraux. Soit j'interdis aux juifs de regarder ce passage, auquel cas je me ferai accuser d'antisémitisme, soit je vous autorise à regarder ce passage, mais je me ferai accuser d'incitation à la haine. Que faire? Je m'en bats les couilles! 2 éditions de Mein Kampf ont été vendues 65 millions de dollars aux enchères à Los Angeles. Ces 2 éditions ont la particularité d'être signées de la main d'Hitler en personne à un certain Bauer, à qui il souhaite un joyeux Noël. Vous voyez qu'au fond, il avait un cœur. Oula, 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 je viens d'associer le plus grand criminel de l'histoire avec le mot cœur. Je sens le malaise s'infiltrer en vous comme si j'enfonçais mon balai dans votre... Je me suis toujours posé la question de savoir qui étaient les vrais criminels dans cette histoire. Celui qui a les idées ou celui qui les porte? Petit rappel historique, après un coup d'état raté en 1923, il est élu, indirectement certes, mais démocratiquement en tant que chancelier en 1933. Tout ça me fait dire que, animé par la hausse du chômage, les humains deviennent de petites chattes en chaleur, quoi. Sodomisez-moi. Sodomisez-moi. Oui, mais ça, c'est les Allemands, ça n'a rien à voir avec nous, ça. C'est qui, lui? Moi, ce livre, je l'aurais pas mis à ce prix-là, je l'aurais plutôt mis au prix d'une Bible. 2 livres idéologiques incitant à une certaine haine qu'il est bien d'avoir lu, mais avec beaucoup de recul et peu de drogue. L'Autriche? C'est un pays, ça? En effet, j'ai lu certains extraits du livre interdit autant que j'ai lu la Bible et ça m'a renforcé dans mon agnoticisme et dans mes convictions pacifistes et définitivement positives. Alors une bonne fois pour toutes, faites-vous votre opinion des choses. Voilà, votre pénis. Voici certainement la chose qui compte le plus pour vous aujourd'hui. Vous aurez remarqué que je n'ai pas fait de distinction homme-femme sur l'importance de la présence d'un pénis. Puisqu'on le sait, les femmes aiment la lecture.
messieurs. Et donc vous, mesdames, avez-vous déjà pensé à une assurance spécifique pour votre pénis? Eh bien, c'est ce que vous propose cette assurance qui, pour 3 slips achetés, vous offre une assurance à hauteur de 50 000 $ pour votre pénis. Et c'est ce qui s'appelle se faire des couilles en... Ta gueule! Ta gueule! Voilà. Tu allais faire une blague pourrie et je me devais d'intervenir pour arrêter ça. Merci. Y'a pas de quoi. En effet, la célèbre compagnie d'assurance qui a déjà assuré les jambes de David Beckham ou encore celle de Mariah Carey ou les cordes vocales de Bruce Springsteen assure désormais votre phallus. Mais attention, la séparation de votre engin avec votre corps ne doit pas être faite par quelqu'un de votre entourage. Que ce soit un ami, un partenaire sexuel, un chien ou un chat pour les plus bizarres. Autre commodité, le sexe doit être entièrement détaché du corps. Salut, reviens vite! Bah oui! Sinon, c'est pas drôle. Je relève par contre qu'il n'y a absolument rien contre la circoncision religieuse. Amis croyants, bonjour! L'article en profite aussi pour nous rappeler que l'absence de notre pénis pourrait nous porter préjudice. Ils sont mignons, ces Québécois. Bref! Si votre pénis vous encombre et prend la poussière chez vous ou chez vos amis, ou si vous retrouvez de vieux bijoux de famille dans vos tiroirs ou vos commodes, confiez-les-nous au comptoir national de ma bite. Nous échangeons votre pénis contre du cash. Notre équipe d'experts examineront et évalueront votre pénis à son juste prix. Le comptoir national de ma bite, professionnel depuis 1976. Voilà, c'était l'épisode 16 de Skip the News, et comme vous l'aurez remarqué, pas de rubrique spéciale pour cet épisode. Comme vous le voyez, l'émission évolue beaucoup et je cherche une rubrique qui collerait bien avec cette évolution. En attendant, laissez vos commentaires juste en dessous de la vidéo, ça ne change pas. Si ça vous a plu, vous pouvez aimer et partager la vidéo à maximum de gens si vous le souhaitez. D'ici là, portez-vous bien et sortez couverts.